Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue. Au nom de la 18e promotion du DU Technique Multimédia, nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre venue ce soir. Et nous tenons à vous dire que nous sommes très fiers d'organiser cette 12e édition des Rencontres du Multimédia. Alors il faut que vous sachiez que tout ceci n'aurait pas été possible sans l'appui des trois fondateurs de cette formation, à savoir le lycée Saint-Cricq, le Greta Béarn-Soul, l'université de Pau et des Pays de la Dour, et bien sûr sans oublier toute l'équipe pédagogique. L'organisation et la mise en place de cette conférence sont aussi pour nous un réel apprentissage sur le terrain, durant lequel nous avons la chance de bénéficier de l'aide de nombreux et de précieux partenaires, à commencer par la région Aquitaine pour son soutien financier, Aquitaine Europe Communication pour l'élaboration du sujet, Simtic, Exlineo et Ici Télé pour la logistique technique, et enfin l'imprimerie des Gaves pour l'impression des programmes. Alors le déroulement de la soirée va être le suivant. Nous allons commencer par une première intervention d'Adel Ben Youssef, directeur de l'entreprise Accelerate System. Puis nous continuerons avec l'éclairage juridique de maître Christine Oustalot. Et enfin, nous terminerons avec le témoignage de Jean-Baptiste Soubeignier, qui travaille en tant que chargé e-tourisme à la MOPA, c'est-à-dire la mission des offices de tourisme et des pays touristiques d'Aquitaine. Sans plus tarder, nous allons commencer notre soirée en donnant la parole à Alain Grateau, proviseur du lycée Saint-Cricq, lycée support de la formation. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais intervenir tout d'abord pour vous demander d'excuser monsieur le directeur académique Philippe Coutureau, qui est actuellement en déplacement professionnel à Biarritz, et Alain Vaujani, qui est le président du Greta Béarn-Soul et qui, lui, doit s'échapper très tôt ce soir sur Bordeaux pour une réunion très matinale. Donc voilà, donc je suis très heureux d'ouvrir cette conférence, féliciter encore cette promotion pour l'organisation dont on voit qu'elle est encore une fois impeccable, remercier nos conférenciers. Je suis moi-même très curieux et très intéressé par le thème de ce soir, parce que c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux pour moi. Voilà, Julien Green dans le Léviathan disait « Plutôt un ciel sans Dieu qu'un ciel sans nuages ». Alors méditez cette phrase avant et après la conférence. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, monsieur Grateau. Alors, je pense que nous pouvons maintenant passer à notre premier conférencier, Adel Ben Youssef. Donc, sur les clouds, quelles perspectives techniques et solutions de sécurité pour répondre aux enjeux juridiques ? Adel Ben Youssef. Je voulais simplement vous rappeler que vous pouvez commenter en direct avec le tweet live sur le hashtag LRM12. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui nous préoccupe peut-être tous, ou qui nous intéresse tous. On parlait de nuages, je pense qu'on va peut-être s'évader un petit peu dans un premier temps, en essayant de garder bien évidemment la tête dans les nuages et les pieds bien sur terre. Alors pour commencer, un petit test rapide comme ça. Qui a entendu parler du cloud, ou qui utilise le cloud aujourd'hui dans la salle? Je vois beaucoup de... Donc une grande majorité, je pense qu'à cette grande majorité aussi s'ajoute une diversification des usages et une diversification des compréhensions par rapport aux différents aspects du cloud. Aujourd'hui, je pense que certains d'entre vous utilisent le cloud parce qu'ils utilisent leur messagerie Gmail ou Hotmail. D'autres utilisent des réseaux sociaux, pensent toujours qu'ils sont dans le cloud. Ou certains utilisent des outils comme des outils de partage, comme des Dropbox, d'autres des outils d'écoute musicale en streaming, comme Deezer ou Spotify. Tout ceci, c'est du cloud. Alors aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de faire un bilan, mais c'est de faire un petit retour en arrière pour voir comment
est arrivé ce phénomène-là dans nos vies et comment nous sommes en train de peut-être de muter vers d'autres usages et vers d'autres perspectives. Alors pour commencer, tout ceci bouleverse notre façon de voir les choses. Alors le cloud est apparu parce qu'on a commencé à regarder depuis le début de l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire depuis les années 60 et depuis l'apparition des systèmes d'information qu'on appelle des serveurs, on a commencé à regarder ce qu'on appelle des bases de données. Les bases de données sont apparues au niveau des années 80 et on a commencé à travailler avec des systèmes diversifiés. Et on a commencé à emmagasiner des informations sur ces serveurs-là et développer des mécanismes ou des programmes pour échanger avec elles. Mais on s'est aperçu très très vite que ces mécanismes-là n'étaient plus adaptés et on a continué à les améliorer de plus en plus. Mais au moment où les entreprises évoluaient très très rapidement vers ce qu'on appelle un modèle piloté par la donnée, la réalité des entreprises est restée malheureusement ici. C'est-à-dire que notre système d'information est toujours cantonné à un système traditionnel. Alors, on va essayer de dresser un schéma très très rapide sur l'évolution des systèmes d'entreprise. Au début, donc, il y avait ces serveurs d'entreprise. Je pense que pour beaucoup, c'est quelque chose d'habituel. Vous les avez un peu partout. Et puis est apparu Amazon. Amazon, c'est l'origine du cloud. Amazon, en fait, qu'est-ce qu'il faisait Amazon, tout le monde connaît Amazon, le site de e-commerce. Oui. Amazon, en fait, avait besoin d'énormément de machines pour traiter les commandes saisonnières. Toutes les commandes liées aux achats de Noël, toutes les commandes liées à certaines périodes de l'année. Donc, ils avaient acheté énormément de serveurs pour subvenir aux besoins commerciaux. Et ils se sont rendus compte très très vite que ces serveurs n'étaient pas utilisés le reste du temps, en dehors de ces périodes-là. Alors ils ont commencé à les louer à d'autres sociétés, à louer les espaces disques, à louer les ressources. Et ils ont eu donc cette idée de créer le premier système cloud, donc en fait de location ou d'hébergement de données. Donc, et depuis, le marché s'est développé. Aujourd'hui, le marché du cloud est estimé à 131 milliards de dollars. C'est des chiffres astronomiques pour moi, mais ça reste quand même des chiffres. Ce qui fait qu'il y a énormément d'entreprises qui se sont jetées sur ce marché-là pour proposer des services similaires. Vous reconnaissez sûrement certains logos qui sont Google, Microsoft, ou GoGrid ou Rackspace, qui sont les sociétés les plus dynamiques aujourd'hui dans la fourniture des clouds dans toute leur diversité. Et puis sans oublier qu'en France, depuis 2 ans maintenant, et depuis que le gouvernement français a décidé d'investir dans ce qu'on appelle le cloud français, deux sociétés se sont créées qui sont CloudWatt et Numergy, supportées les unes et les autres par Orange et par SFR, pour développer ce qu'on appelle le cloud souverain, c'est-à-dire un cloud franco-français qui hébergera à terme toutes les données, les données publiques françaises, c'est-à-dire des administrations et les données des entreprises françaises pour justement échapper à certaines règles que je vais mentionner un petit peu plus tard. Donc l'évolution informatique des entreprises vers le cloud, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, ce qu'on appelle l'externalisation des infrastructures. Au début, les responsables informatiques et les entreprises se sont rendus compte que maintenir du matériel informatique, ça coûtait cher. Ça coûtait cher en maintenance, ça coûtait cher en renouvellement. Donc, ils ont eu l'idée d'héberger leurs données dans des data centers ou des centres de données. Donc, on appelle ça de l'IAS ou l'ITAS, c'est-à-dire qu'on va externaliser que la partie physique en dehors de l'entreprise et on y entrepose toutes nos données et on garde la maîtrise de toute l'information et toutes les applications. Et ensuite, est apparu un autre modèle d'externalisation de données qui est ce qu'on appelle le platform as a service, c'est-à-dire on externalise le matériel, l'hébergement et les applications entières, on les externalise directement chez les hébergeurs.
parce qu'on s'est rendu compte aussi que ça apportait de nouvelles façons de travailler, une plus grande flexibilité et une facilité de mise à jour, par exemple, pour l'utilisation quotidienne sur tous les postes de travail. Et puis ensuite, apparu un autre modèle qui est le SaaS. Le SaaS, c'est Software as a Service, c'est-à-dire que les entreprises n'achetaient plus de licences qu'elles entreposaient directement dans les data centers, mais elles louaient le service du logiciel de temps en temps ou le temps nécessaire pour leur développement. Donc elles louaient ces applications. Et puis, très récemment, est apparu un autre terme qui est le DAS, qui est le Data as a Service. C'est un phénomène dont on va parler de plus en plus parce que là, on ne loue plus l'espace disque, le matériel, l'architecture et les applications. Et là, on est en pure location de la donnée elle-même. C'est-à-dire qu'on va descendre dans une granularité très, très fine de traitement de la donnée. Maintenant, on va commencer à commercialiser une donnée particulière au niveau de l'entreprise. Donc, tous ces phénomènes-là ont été accentués par ce qu'on appelle des phénomènes de big data. Alors, qui aujourd'hui n'a pas entendu parler de big data ? On n'ouvre pas un seul magazine, que ce soit dans la presse spécialisée ou même dans la presse généraliste, pour entendre parler de ces phénomènes-là. Ce qu'il faut savoir du big data, il y a des personnes qui sont familières avec ces termes-là dans la salle ? Voilà, très peu. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je décrivais tout à l'heure dans le phénomène d'évolution des entreprises, on était dans une informatique, ce qu'on appelait structurée. C'est-à-dire que ce sont des informaticiens qui développaient des mécanismes pour enregistrer l'information, des mécanismes pour échanger des données avec les systèmes d'information et pour nous permettre à nous d'utiliser ces systèmes-là. C'est-à-dire qu'on contraignait l'être humain à rentrer dans un cadre de traitement de l'information. Mais depuis l'apparition des smartphones, depuis l'apparition des tablettes, depuis l'apparition des réseaux sociaux et depuis l'apparition de tout ce qu'on appelle des matériels connectés ou de machines intelligentes, c'est-à-dire les caméras de vidéosurveillance, c'est-à-dire des capteurs en tout genre, les capteurs météo, donc tout ceci a généré une masse d'informations très 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 importante et qui était de plus en plus difficile à rentrer dans un cadre de traitement de données traditionnel. Et donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène du big data. Et aujourd'hui, la big data, c'est la capacité de certaines architectures informatiques à traiter de la donnée qu'on appelle non structurée. C'est-à-dire que les éléments qu'on y met ne sont pas formatés selon des formats bien déterminés par des informaticiens. Et la donnée non structurée, des exemples, on en utilise tous les jours. C'est quand vous êtes sur un réseau social, par exemple sur Facebook, et que vous publiez une image, rien ne prédisposait ce réseau social à publier l'image. Maintenant, on publie des images, on rajoute des commentaires. Maintenant, l'image est géolocalisée. On peut rajouter des tags, c'est-à-dire de reconnaissance visuelle. On reconnaît des personnages sur les photos. Donc tout ceci, ça constitue cette masse d'informations. Et cette arrivée de Big Data va nous imposer... Juste une parenthèse, vous avez vu les chiffres ? Plus de 2 trillions de gigas de données créées en 2012. Alors j'avais noté en petit 1 trillion, c'est 10 puissance 18. 10 puissance 18. Plus de 90% de ces données sont non structurées. Et on a produit 500 quadrillions de fichiers. 500 quadrillions, moi je ne sais même pas le représenter de façon réelle. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça représente. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans ces 500 quadrillions de fichiers qui sont aujourd'hui dans la nature, c'est-à-dire sur le cloud, on a généré des données exploitables, échangeables. À chaque fois que vous envoyez un email avec votre smartphone, vous générez de la donnée, un fichier. À chaque fois que vous prenez une photo, que vous l'envoyez à un ami, c'est un fichier. À chaque fois que cet ami reprend la même information et la distribue sur ses amis, on crée des phénomènes de viralité, ce sont encore d'autres données. Et toutes ces données sont importantes. Et les indicateurs qu'elles emmagasinent ou qu'elles embarquent sont aussi importants. Et donc, il paraîtrait que cette quantité va doubler tous les deux ans. Donc, si cette quantité double tous les deux ans, ça nous impose donc de revoir nos mécanismes de traitement de l'information. Donc aujourd'hui, ces mécanismes-là rentrent dans ce qu'on appelle un, nou- un,
un nouveau environnement de traitement informatique qui est sûrement porté par une architecture bien connue qui s'appelle Hadoop. Mais là, on rentre plutôt dans la technique. Alors, que permet cette architecture ? Elle permet tout simplement d'emmagasiner tout type de données, sans regarder la structure. Elle avale tout, elle prend tout. Et de permettre, grâce à énormément d'outils, d'exploiter cette donnée, d'en tirer de la quintessence, c'est-à-dire de l'analyser, de la traiter et de la visualiser ou de créer des rapports pour qu'ils soient exploitables par l'être humain. Et toutes ces données aujourd'hui sont sur le big data. Donc toutes ces données nous imposent à revoir nos clouds. C'est-à-dire que les clouds, même les clouds de ce qu'on a cité jusqu'alors, c'est-à-dire les sites d'hébergement, vont être chamboulés. On va leur imposer une nouvelle structure qui répond à certaines normes. Les plus connues sont ce qu'on appelle l'élasticité instantanée. C'est-à-dire qu'on doit être capable de demander à un data center de nous fournir une puissance exponentielle en fonction des besoins. Je vous donne un exemple. C'est une société qui, par exemple, développe une nouvelle application pour smartphone. Elle a un premier téléchargement la première semaine, ça commence à bien fonctionner. Elle a un certain nombre d'utilisateurs. Et puis, tout d'un coup, le week-end, vendredi soir, elle a une communication très, très forte. L'application est téléchargée des millions et des millions de fois à travers le monde sur les App Store. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette société ? Si elle ne peut pas répondre à la demande, c'est-à-dire que si son back-office ne peut pas répondre à la demande, instantanément, c'est que l'application est morte, c'est fini, elle ne peut plus commercer. Donc, aujourd'hui, on demande au data center de pouvoir fournir ce qu'on appelle une élasticité instantanée, c'est-à-dire une puissance instantanée de calcul. C'est d'apporter de la sécurité. La sécurité. Aujourd'hui, la sécurité est un élément hyper important dans tous les traitements qu'on fait sur Internet, notamment la sécurité des données privées. Et on va le voir un petit peu plus loin. Et donc, les grands acteurs aujourd'hui de ces mouvements de big data pour les nouveaux clouds sont toujours Amazon. Amazon sont à la pointe. C'est eux qui pilotent, qui dirigent et qui nous donnent le cap à suivre pour l'informatique de demain. Et bien évidemment, avec les fondations, comme une des fondations qui s'appelle OpenStack. Donc, on a vu que le stockage et le traitement de données sont en pleine mutation, mais avant toute chose, on doit pouvoir se poser 5 questions essentielles. Avant de manipuler toutes ces données, c'est où sont mes données ? Pour n'importe quel individu, pour n'importe quelle entreprise, avant de commencer à travailler sur le cloud, c'est de se poser la question, où est ma donnée ? Qui envoie mes données ? C'est-à-dire qui sont les personnes ? Est-ce que je suis capable de les identifier une par une et savoir où est-ce qu'elles les envoient ? Qui a reçu mes données ? Savoir qui reçoit, même quand on est dans un réseau social, Facebook, aujourd'hui, parmi vos amis, est-ce que vos amis sont tous vos amis ? Ben oui, parce qu'il y a des amis d'amis qui viennent se greffer. Des fois, on se dit « ouais, c'est un ami d'amis ». Non, ce n'est pas un ami d'amis. Est-ce que vous laisserez la porte ouverte chez vous à un ami d'amis ou un ami d'amis 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 ? Non. Donc même sur Facebook, même sur ces réseaux-là, parce que l'information que vous publiez pour votre ami peut la republier, créer la viralité. Si c'est une information confidentielle qui vous concerne, des photos de famille, une information personnelle, privée, cette information peut être divulguée en dehors du cercle d'amis réels. Donc, quelles sont les données envoyées et qui a reçu mes données ? Et en finalité, comment puis-je protéger mes données ? Donc, avant de continuer, je vais vous donner quelques cas de ce qu'on appelle de violation du droit d'usage. Je parle dans le cadre des entreprises, par exemple. Dans le cadre d'une intervention de maintenance sur un espace de disque, vous avez un serveur, un disque dur. Le disque dur tombe en panne. Vous appelez votre service de maintenance. Il dit « pas de problème, je viens changer le disque dur ». Il vient vous changer le disque dur. Mais est-ce que vous savez que le disque qu'il a emmené, même s'il est en panne, contient toujours de l'information ? Et pour n'importe quel technicien, connaisseur de ces structures-là, il peut récupérer toutes ces informations-là. Des fois, il y a des virus qui font tomber certains, ils font croire que le disque dur est en panne pour que vous fassiez votre intervention et pour que la personne vienne prendre le disque et l'emmener ailleurs pour une exploitation ultérieure. On imagine des petites entreprises qui travaillent avec des grosses entreprises, des fournisseurs,
des partenaires commerciaux qui sont des fois sous le, qui sont normalement liés par des contrats de confidentialité, mais qui ne se soucient pas si quand ils remplacent leur disque dur, si le disque dur contient encore de l'information ou pas. Donc ça, c'est un cas de violation de droit d'usage. L'utilisateur qui copie des données sensibles sur un Google Drive ou un Dropbox, combien d'entre nous utilisons des Dropbox ou des Google Drive pour emmener un travail à la maison ou pour le trimballer plus facilement? Parce qu'on n'a pas la clé USB de la taille suffisante pour copier le fichier, parce qu'on n'a rien sur nous. Et on se dit, tiens, c'est facile, je vais créer un espace Google Drive, je copie le fichier dedans, et puis après, je vais travailler à la maison. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le PC de la maison, ce n'est pas celui de l'entreprise. Celui de l'entreprise est surveillé, sécurisé, mais celui de la maison, il ne l'est pas. Donc, il est potentiellement piratable. Les pirates peuvent s'y coller, et puis dès que vous accédez à votre document, ben, ils ont accès aussi, donc ils peuvent le lire. Donc ça, c'est un autre cas de violation de droit d'usage. Et puis, des cas intentionnels, les utilisateurs qui envoient des emails via les systèmes de messagerie. Donc tout ceci génère beaucoup de problèmes de sécurité de l'entreprise. Donc un service, donc on part de certains problèmes comme ça pour faire des postulats. Donc on peut peut-être penser qu'un service de sécurité efficace doit pouvoir bloquer cette violation et envoyer une alerte à l'administrateur de l'informatique et au propriétaire de la donnée. Aujourd'hui, quand il y a une contrefaçon ou une contravention à ces règles d'usage, seul l'administrateur, s'il a le système de sécurité approprié, reçoit le message. Mais les propriétaires ne reçoivent jamais les alertes nécessaires. Donc il faut peut-être penser à de nouveaux mécanismes de gestion de la sécurité. Donc on essaie d'imaginer aussi quelques cas de prévention de fuites d'informations. Les fuites d'informations, ça concerne tout. Les disques durs, ce qu'on disait tout à l'heure, les disques statiques. Protégez ce qui est sur votre disque dur pour vous assurer que rien ne sort de votre disque dur pour être exploité à votre insu. Quand vous êtes chez vous avec votre PC et que vous naviguez sur un site de e-commerce, il faut que vous soyez sûr que quand vous allez rentrer votre carte bancaire, le numéro de carte bancaire pour faire votre achat, que le site est de confiance et qu'il n'y a pas de virus sur votre poste de travail. Je suis en train de vous faire peur, peut-être, mais ce n'est pas l'objectif. Mais c'est de la sensibilisation, c'est que vous soyez conscient qu'il y a des risques aujourd'hui. Les risques sont partout. Quand on ouvre son PC, on est déjà dans un contexte risqué si on n'a pas les outils nécessaires. Protéger les données en cours d'utilisation. Aujourd'hui, les pirates sont capables de s'interfacer même dans votre navigateur web pour voir ce que vous faites. Pendant que vous faites votre achat sur Cdiscount, je fais de la pub pour un e-commerçant de Bordeaux. Pendant que vous faites votre transaction, vous achetez, je ne sais pas moi, une cafetière. Il a déjà toutes les informations et il est en train de faire d'autres achats sur d'autres sites e-commerce. Parce qu'il a exactement toutes les informations pour valider ses transactions. Et les données en mouvement, c'est ce qu'on appelle les données en cours de transfert. C'est-à-dire que quand vous copiez des documents sur votre Dropbox ou Google Drive, assurez-vous qu'ils soient chiffrés. Chiffrés, c'est crypté, protégé. Quand vous avez une clé USB que vous trimballez avec vous et que vous avez des documents confidentiels dessus, même une facture, une copie, un PDF d'une facture de téléphone est une donnée confidentielle parce que c'est la vôtre. Et il faut se dire que toutes nos données sont notre propriété. Personne n'a le droit de les utiliser. C'est notre propriété. C'est comme mon cahier, c'est comme un dossier, c'est comme mon cartable, c'est le mien, c'est comme mon sac, c'est comme mon portefeuille, c'est à vous. Personne n'a le droit de les utiliser sans votre accord. Donc une solution, par exemple, on peut imaginer qu'une solution de protection doit être capable de lire et de comprendre en temps réel les composants de l'information et appliquer les règles de conformité en cas d'infraction d'usage. Alors on va se poser 4 questions. Avant, on a dit qu'il fallait se poser des questions, mais on se pose toujours des questions. C'est qui peut accéder à la donnée, interne, externe. Il faut se poser toujours ces questions. Que peut faire la personne autorisée avec ma donnée? Quand la personne peut-elle accéder au système d'information et sur quel périphérique? Et donc, pourquoi on se pose les questions? C'est pour faciliter le travail en cas d'investigation ou de travail du juridique.
Parce qu'aujourd'hui, le travail du juridique, quand il y a des fuites d'informations, des vols d'informations, quand il y a des conflits, parce qu'on considère que la personne a perdu de son information, son autorité sur son information, le plus difficile, c'est de trouver ce qu'on appelle le coupable. Pas de prouver qui est responsable, parce qu'on devrait être tous responsables de notre patrimoine informationnel, mais qui est coupable. Le coupable, celui qui a enfreint les règles. Et en cas de conflit avec les entreprises, entre les entreprises et leurs employés, il y a souvent ce qu'on appelle la recherche de culpabilité. Quand une personne utilise un email personnel au sein de l'entreprise pour envoyer des documents de l'entreprise, il est en infraction. Et donc il faut que l'entreprise puisse reconstituer la chaîne d'intervention. Et donc le cloud qu'on a vu tout à l'heure, la capacité du cloud à traiter une masse d'informations monumentale va nous permettre d'apporter de nouveaux outils d'analyse pour apporter des preuves irréfutables en cas d'infraction d'usage. Donc je pense que j'en ai fini. C'est le moment pour vous de me poser, par rapport à ces big data, vos plus grandes questions. Donc si vous avez des questions, je suis à votre service. Sinon, il y a des questions aussi sur Twitter, si j'ai compris. Alors, on a à peu près 10 minutes pour poser les questions qui sont proposées dans le public. N'hésitez pas, vous avez toujours le tweet live avec le hashtag LRM12 pour aller poser vos questions, mais aussi vos remarques qui seront retransmises en direct dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a des questions éventuellement ? Juste une petite chose, vous avez un QR code. Si vous avez des smartphones avec un lecteur de QR code, vous pouvez le flasher directement. Vous aurez un formulaire, vous pouvez m'envoyer des informations, des demandes directement. Y a-t-il des questions dans la salle ? Aucune question ? Une question. Oh là là, question. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Vous remarquerez que, par exemple, si on parle, bien évidemment, il faut tirer un bilan écologique. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se dirigent aussi vers le cloud pour régler ce problème-là au niveau de leur bilan écologique. Les entreprises du cloud, telles que Amazon, tels que Microsoft, tels que Google, aujourd'hui construisent des data centers avec ce qu'on appelle des faibles coûts écologiques. Ils les posent déjà dans des régions nordiques, c'est-à-dire pour avoir, parce que ce sont des systèmes qui consomment énormément de courant, d'électricité, et qui dégagent énormément de chaleur. Donc il faut créer, si on les crée par exemple dans nos régions, dans la région Aquitaine, il faudrait créer des mécanismes pour les refroidir. Donc pour empêcher ou pour réduire, on va dire, la facture énergétique, ne serait-ce que pour les refroidir, on les implante dans des régions, par exemple en Islande ou carrément au pôle Nord. Il y a aujourd'hui des études pour les implanter directement au pôle Nord. Mais je ne saurais pas vous donner de chiffres exacts. Mais si vous voulez, vous m'envoyez un email et puis je vous répondrai. Si je peux me permettre... Oui, pardon. Ça marche ? Oui, oui. Si je peux me permettre, effectivement, vous avez sur le site de la Direct un document extrêmement bien fait quant au tenant et aboutissant, effectivement, du cloud et qui pourra répondre pour partie à votre interrogation. C'est un document qui fait à peu près une cinquantaine de pages et vous pouvez y avoir accès très facilement. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions éventuellement dans le public ? Oui. Merci. Vincent Lalanne, Université. Une question par rapport aux fournisseurs, aux providers de cloud. Oui. Il y a eu quelques affaires retentissantes l'an dernier, Mega Upload par exemple, deux le mois dernier en Angleterre, qui quand même fournissait du stockage pour la Banque d'Angleterre, pour services de sécurité sociale et autres. Et qui ont fermé du jour au lendemain, l'un pour des problèmes de respect des droits d'auteur pour Mega Upload, qui stockait des films, mais qui stockait aussi des données d'entreprise. Mmh. Et les gens ont perdu, tout perdu du jour au lendemain. Peut-être en parlerez-vous tout à l'heure. Oui.
et a demandé des sommes exorbitantes aux prestataires parce que c'est une société qui a fait faillite et qui a demandé des sommes exorbitantes pour pouvoir récupérer des données. Alors, que pouvez-vous nous donner comme conseil ? Parce qu'une société qui doit se tourner vers ce genre de technologie, qui est formidable, hein, vous avez parlé d'Amazon et autres, mais quelquefois, il peut y avoir quelques mauvais retours d'expérience. Oui, alors, par rapport au cloud, aujourd'hui, en fait, quand on se posait la question, c'est où sont mes données ? La première question, c'est où sont mes données ? C'est très, très important aujourd'hui. C'est une question cruciale. C'est pour cela que le gouvernement français, par exemple, s'est engagé dans ce qu'on appelle le cloud souverain. C'est vrai que dans un contexte de mondialisation, ça semble un petit peu contradictoire, mais c'est pour garantir, en fait, donner une garantie aux entreprises françaises que les données qu'elles vont mettre sur ces clouds, au moins, respecteront au moins certains critères de rétrocession d'informations. Maintenant, quand on est une jeune entreprise et qu'on veut se diriger vers le cloud, beaucoup sont tentés par le bas coût. C'est-à-dire qu'on va aller au moins cher. Parce que, voilà, on va aller au moins cher. Mais quand on va au moins cher, il faut se poser vraiment la question de où sont mes données. Il y a beaucoup de sociétés qui ont pignon sur rue, qui n'ont pas d'infrastructure réelle de cloud, c'est-à-dire qu'ils sont des hébergeurs, ils ont la capacité à vendre du service cloud, mais que derrière, on ne sait pas où est-ce qu'ils les hébergent réellement. Ça peut être dans d'autres pays, en dehors de la communauté européenne, ça peut être dans des pays qui n'ont pas bonne réputation, parce que ces pays-là, eux, se dotent justement d'infrastructures qui permettent de créer ce qu'on appelle... C'est ce qui est arrivé à Mega Upload, réellement. Parce que c'est parce qu'il pouvait mettre ses data centers dans des pays en dehors de certaines législations pour échapper à tous les problèmes de contrefaçon et de copyright qu'il a mis ses data centers un petit peu partout dans ces pays-là. Et c'est pour cela qu'il a été poursuivi, qu'il a été contraint de fermer. Et donc ce sont des questions. Je vous invite à revenir sur la présentation et regarder très très bien toutes les questions. Et si vous avez besoin qu'on aille un petit peu plus loin dans le détail de chacune, je suis à votre service. Alors je m'excuse encore une nouvelle fois. Oui. Parce qu'effectivement, le cas dont vous parlez, je le connais. Oui. C'est un cas que je vais aborder dans le cadre de la clause de réversibilité, d'anticipation du client, en fixant effectivement le coût de la réversibilité. Parce que ça a un coût effectivement... Mais il faut le prévoir avant qu'arrive le cadre de la cessation des paiements et d'avoir effectivement un véritable racket. Hein, voilà. Alors nous avons une dernière question ici. Oui, peut-être une question idiote, mais en quoi la taille des tuyaux, si j'ose dire, dans lesquels passent les données, peut contraindre ou au contraire développer le cloud ? Ici, on a le bénéfice d'un déploiement de la fibre, mais j'imagine que ce n'est pas partout pareil. En quoi ça a un impact sur le déploiement du cloud ? Alors... En fait, dans les problématiques qui se posent aujourd'hui quant au phénomène de la déferlante de la grosse donnée, hein, parce qu'on est dans la francisation, c'est la big data, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. C'est bien évidemment la taille des tuyaux, mais c'est aussi la capacité des data centers ou des centres de données à emmagasiner ce type d'informations. L'objectif avec des architectures telles que qu'on l'imagine à l'avenir, c'est une multitude de data centers qui vont jouer de rôle de complémentarité pour emmagasiner les données. Donc avec des répartitions, ce qu'on appelle des systèmes qui permettent la répartition de charges et la répartition de flux en termes de traitement de cette masse d'informations. Donc les mécanismes aujourd'hui qui sont... mise en œuvre par des architectures, comme je les ai citées, par des sociétés comme OpenStack ou Amazon, permettent ce type de manipulation et permettent de contrebalancer justement les phénomènes de taille de tuyaux ou la capacité de certains serveurs, parce qu'elles permettent justement la répartition et l'automatisation des mécanismes de traitement de données. Oui, bien sûr. Après, on va passer au Twitter. Bonsoir. Le cloud, tel que vous nous le présentez, me semble être un système, une industrialisation du stockage oui. et du traitement de la donnée.
Quand il y a quelque temps déjà, on s'est rendu compte qu'en fait, il existait des supercalculateurs. Bon, il y a des supercalculateurs qui existent, mais on s'est rendu compte que faire travailler un nombre incroyablement élevé d'ordinateurs personnels permettait d'avoir aussi des supercalculateurs. Je crois que ça s'appelle du grid ou quelque chose comme ça. Et donc, vous nous parlez d'un système qui centralise. Alors que enfin, j'ai l'impression, non, tel que c'est présenté, alors que pour moi, Internet était justement quelque chose de très décentralisé, et que finalement, les données auraient très bien pu être découpées en petits paquets. J'ai même cru que le cloud, c'était ça. On pouvait découper nos données en petits paquets qui pouvaient être distribués n'importe où. Oui. Sur la technique de ce qu'on appelle du grid computing, il y a effectivement cette possibilité de distribuer ce qu'on appelle la puissance de calcul sur tous les PC de tout le monde. Mais ça pose beaucoup de problèmes en termes de propriété intellectuelle et propriété sur le document. Ça pose des questions de droit d'accès, de droit d'usage, de plein de droits. L'idée, c'est que les data centers se sont constitués jusqu'à les années 2005 comme étant des centralisateurs de données. Et ils se sont vite aperçus que centraliser les données n'était plus cohérent avec le développement de l'informatique, et c'est pour cela qu'aujourd'hui il y a un nouveau type de data center, ce qu'on appelle les data centers de nouvelle génération, qui répondent à d'autres mécanismes qui sont similaires à ce que vous avez décrit avec les postes de travail, mais qui sont distribués sur d'autres data centers qui eux respectent tous les termes légaux, tous les termes qui respectent les droits d'auteur et qui respectent les aspects de sécurité aussi de l'information. Donc les data centers ne seront plus vus comme étant des centralisateurs d'information, mais faisant partie de familles qui sont distributeurs de la donnée. C'est pour ça qu'il y a un nouveau terme qui apparaît, que je disais, qui s'appelait le DAS, hein, c'est le Data as a Service, c'est-à-dire que quand vous allez consommer votre information, vous allez avoir accès à une donnée particulière, mais votre donnée, vous ne savez pas où elle est, concrètement. Vous ne savez pas si elle est sur ce data center ou celui-ci, vous savez qu'il sera sur un environnement qui est constitué de plusieurs data centers, mais qui, eux, respectent toujours certains critères de confidentialité, de sécurité et de redistribution de l'information. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Merci. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci. Merci, Adèle. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense que maintenant, après avoir vu la technique et la sécurité du cloud, on va aborder des aspects plus juridiques avec Maître Christine Loustalot, ici présente, qui va nous présenter un sujet intitulé « La tête dans les nuages et les pieds sur terre ». Alors, Christine Loustalot. Merci bien. Alors, est-ce que j'y arrive ? Bon. Ça marche pas. Il est là. C'est bloqué. Oui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, nous allons faire avec des papiers. C'est bloqué. Bon. Écoutez, je suis navrée. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, effectivement, d'avoir eu l'amabilité de m'inviter pour effectuer cette présentation excessivement pragmatique, je vous rassure, du contrat cloud. Je tiens également à vous remercier pour votre présence, somme toute nombreuse à cette soirée, qui nous démontre en tant que de besoin de l'utilité et de l'intérêt du cloud. Alors, je ne vous cache pas que le temps pour les avocats est somme toute élastique. Donc, il a fallu pour moi faire un tri sur les points que j'allais effectivement développer dans un temps excessivement restreint. Donc, ce que j'aborderai dans le cadre de mes développements, c'est l'usage du cloud par les entreprises. Alors, il y a deux constats à faire. Le premier constat, fait par mon prédécesseur, effectivement, le cloud, c'est un outil fantastique qu'il faut quand même maîtriser. Second constat, ça c'est indéniable, les règles du cloud sont en constante évolution. Effectivement, le cloud fait l'objet
Alors allez-y, je vous en prie. Je pense que c'est bloqué. Ouais. C'est la manette qui est complètement... On va faire sans. On va faire sans, c'est pas grave. On va faire sans. Allez. Le cloud aujourd'hui, il y a des règles effectivement en évolution. Le cloud fait pourtant l'objet d'un certain nombre d'attentions et même de grandes attentions. Alors, de la part tout d'abord, et ça vous pouvez aller sur le site web si vous le souhaitez, qui est relativement instructif, la Commission effectivement nationale informatique et liberté, qui a édicté un bon nombre de recommandations pour aider effectivement les entreprises à faire ce passage en douceur sur le cloud. Je vous invite, comme je vous invite effectivement d'aller sur le site de la Directe, à aller sur le site de la CNIL. Vous le verrez, vous avez des préconisations qui sont très bien faites. Pour certaines, je vous avoue, je ne suis pas forcément d'accord, mais ça, on peut toujours en débattre. Les instances européennes, bien évidemment, se préoccupent de ce cloud. Vous avez également l'ISO, qui dans quelques mois, peut-être dans quelques années, mettra à jour une norme cloud qui, effectivement, va nous aider en tant que de besoin. Alors, effectivement, ayons la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Alors, il y a quand même un certain nombre de questions à se poser en liminaire pour s'y retrouver. Quand est-ce que je le fais? Avec qui? De quelle manière? Et combien ça me coûte? Parce que moi, je suis quand même peut-être une femme de loi, mais je regarde toujours l'intérêt, effectivement, des chefs d'entreprise, à savoir, effectivement, qu'est-ce qu'on peut avoir pour des prestations effectivement correctes. Alors, je ne pense pas qu'on puisse décider du jour au lendemain pour une entreprise effectivement de passer au cloud parce que c'est dans l'air du temps. Tout simplement parce qu'à mon sens, il faut tout d'abord identifier de manière excessivement claire les données et les traitements transférés dans le cloud en opérant un distinguo entre les données personnelles, les données sensibles, les données stratégiques et les applications métiers. Alors, bien évidemment, pour une entreprise, on va toucher à son patrimoine informationnel que sont les données sensibles et les données stratégiques. C'est un peu, si vous voulez, pour moi, une analyse identique qui doit être conduite lorsque, par exemple, une société fait œuvre de création, met au point une invention et hésite effectivement entre prétendre à une protection au titre d'un brevet ou finalement garder pour soi ceci en bénéficiant d'une protection au titre du savoir-faire, étant précisé que dans ce cas de figure, bien évidemment, encore faut-il qu'elle ait les outils nécessaires et qu'elle ait pris toute précaution effectivement pour s'assurer en fait du bon traitement et de la bonne protection de ces données sensibles et stratégiques. Alors, une fois effectivement que vous avez fait, entre guillemets, ce tri, que vous avez fait cet audit, vous allez définir vos exigences de sécurité technique et juridique. Alors, je ne vous cache pas, vous allez avoir sur la place une pléthore de types de contrats standards, de contrats d'adhésion, qui ne peuvent pas faire l'objet, malheureusement, de discussions. Alors, le contrat d'adhésion, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Un exemple typique, c'est le contrat d'assurance, ou sinon, c'est la petite croix, effectivement, que l'on coche dans un carré. Le contrat d'assurance, effectivement, vous ne pouvez pas discuter les articles qui sont insérés dans le contrat. Ce que vous pouvez choisir, c'est différentes options en fonction de primes d'assurance plus ou moins élevées. Alors effectivement, ces contrats d'adhésion, ben, ça présente l'avantage. Quel avantage? Ben, l'avantage de coût, de simplicité et de gain de temps, effectivement, pour le prestataire, gain de coût également pour le client. Quant au client, lui, il a quand même la responsabilité de s'assurer que le prestataire suit un niveau d'exigence au moins égal au sien. Et ça, je vous invite effectivement à faire un choix de gestion là-dessus. Si vous avez la possibilité, et vous serez chanceux dans ce cas-là, si vous êtes considéré comme un interlocuteur privilégié par votre prestataire, vous pourrez bénéficier effectivement d'une offre personnalisée, de quelque chose un peu fait sur mesure.
Alors c'est en fonction bien évidemment du poids respectif des parties, le quidam de base ne peut pas prétendre malheureusement à une offre personnalisée. Alors quand vous rentrez dans ce cas de figure, vous avez quand même l'exigence d'établir au préalable, pour qu'effectivement cette offre soit sur mesure, vous avez une nécessité à établir un cahier des charges. Un cahier des charges, ben, finalement, ça va être la compilation de vos exigences, de vos attentes par rapport au prestataire. Alors, il ne faut pas sous-estimer sincèrement l'investissement en ressources et en temps que peut représenter la rédaction d'un cahier des charges. Alors, face à ce cahier des charges, effectivement, l'important, c'est que vous allez vous mettre d'accord, qu'il va y avoir une véritable collaboration, mais ne pensez pas pour autant, malheureusement, que l'établissement de ce cahier des charges vous permettra in fine d'empiéter quelque peu sur les prestations du co-contractant auquel vous allez faire appel. Et en définitive, n'espérez pas choisir le moins offrant du cloud en disant « moi finalement j'ai rédigé un cahier des charges, j'ai fait un travail excessivement important, donc en définitive ben, je vais prendre le moins cher parce que finalement j'ai quasiment tout fait ». Alors, j'attire votre attention à ce sujet parce que les juristes, je ne sais pas s'il y en a ici aujourd'hui de présent, connaissent excessivement bien une jurisprudence qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est une jurisprudence Forestia Oracle. Alors, j'en reparlerai ultérieurement. Mais il est vrai que l'on va se heurter dans ce cas de figure à une appréciation in concreto, c'est-à-dire véritablement les juridictions vont avoir à cœur à apprécier l'intégralité des faits de l'espèce pour savoir par exemple si une clause limitative ou exonératoire de responsabilité peut vous être opposée. Et dans le cas d'espèces dont je vous parle, Forestia Oracle, que nous aborderons ultérieurement, il faut savoir qu'il y avait eu effectivement, entre guillemets, une véritable collaboration entre les parties, Forestia pensant effectivement bon, bien faire et pensant choisir le prestataire en la société Oracle qui avait finalement octroyé 49% de réduction sur le marché. Résultat des courses, vous le verrez, il y a une grosse difficulté pendant des années sur l'appréciation du clause limitative de responsabilité. Et je pense qu'in fine, Forestia y a largement perdu. Vous verrez entre les quantum de dommages et intérêts qui étaient demandés et ceux qui ont été octroyés par la juridiction. Et puisque vous aimez un petit peu effectivement les histoires, j'y reviendrai par la suite. Je vous laisse en suspens pour aborder effectivement la conduite à tenir quant à l'analyse des risques pour identifier les mesures de sécurité effectivement essentielles pour l'entreprise. Alors, il y a effectivement un certain nombre d'interrogations. Il faut être conscient pendant un moment que le contrat cloud, c'est également un contrat. C'est-à-dire que pendant un moment, il y a la possibilité effectivement que le service ne soit pas forcément à 100% disponible. Et ça, à partir de ce moment-là, il faut également l'envisager dans le contrat. Il y a également la possibilité, comme monsieur tout à l'heure l'a fait remarquer, mais j'y reviendrai à ce sujet, l'état de cessation de paiement de votre prestataire qui peut arriver, mais ça, ce n'est pas propre au cloud. En revanche, ce qui est propre au cloud, c'est que pendant un moment, vous avez une difficulté au niveau de vos données qu'il faut traiter au préalable. Vous avez également ben, le risque que les données soient modifiées ou rendues accessibles à des tiers non autorisés, etc. Tout ceci pour vous dire qu'effectivement, dans le contrat, il faut anticiper ces questions, il faut en être conscient, et il faut anticiper ces problématiques via des pénalités. Alors, une fois que vous avez décidé du bon moment, il va falloir choisir votre prestataire. Alors, il faut choisir un prestataire, effectivement, présentant des garanties suffisantes. Alors, tout d'abord, il faut déterminer la qualification juridique du prestataire, c'est-à-dire qui va faire quoi ? Qui va être responsable de quoi ? Alors, le principe, effectivement, c'est que le client est responsable du traitement et le prestataire, est-ce qualifié, peut être qualifié de sous-traitant. Alors, dans les offres standardisées, toujours pareil, vous allez vous heurter à un obstacle juridique qui est qu'en définitive, vous ne pourrez rien négocier. Mais lorsque vous arrivez effectivement dans une offre personnalisée, là, je rejoins effectivement la position de la CNIL, vous allez pouvoir faire un distinguo entre
ce qui relève de manière générale du client, c'est-à-dire les formalités déclaratives, l'information des personnes. Et le surplus, vous pouvez négocier, effectivement, mais tout ça de manière claire, parce qu'il faut bien savoir qui fait quoi, entre le client et le prestataire. Ensuite, une fois effectivement que vous avez fait ce distinguo, il faut évaluer le niveau de protection qui est assuré par le prestataire. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai indiqué, il vous appartient, ça relève de votre responsabilité de choisir un prestataire qui assure un niveau de protection suffisant aux données qu'il confie. Alors, la meilleure des choses à faire est toujours effectivement dans le déroulé du cahier des charges, etc., de l'offre personnalisée. Vous avez la possibilité de mettre en place une convention de niveau de service, au terme de laquelle vous allez effectivement, de manière concrète, rédiger, informer le prestataire de vos attentes en termes de moyens, de résultats, et ce, de manière le plus détaillée, effectivement, possible. Alors, une fois, effectivement, que vous avez planté un petit peu ce décor de manière sommaire, il va falloir savoir, il va falloir déterminer la manière dont ça va se passer. Alors, tout d'abord, moi, il y a une première question, effectivement, qui interpelle, c'est comment ? Y a-t-il, effectivement, une réglementation propre au contrat cloud ? Alors, je vais vous décevoir, il n'y en a pas. Pas à l'heure actuelle. Comme je vous l'ai indiqué, les règles sont en constante évolution. Nous attendons effectivement un certain nombre de réglementations, de prises de position, cette norme également ISO. Donc, nous sommes face, effectivement, à une espèce de strate de règles de droit commun, c'est-à-dire qui ne sont pas propres au contrat cloud, et vous le verrez dans le cas d'espèce que j'évoquerai ultérieurement. Vous avez également des règles qui relèvent du droit de l'informatique, des réseaux, des directives européennes, mais sous réserve du respect de ces règles qui sont somme toute classiques et qui se retrouvent dans tous les contrats, c'est surtout le contrat, rien que le contrat. C'est-à-dire que malheureusement, ce sera à vous, effectivement, ou heureusement, ce sera à vous de négocier. Alors tout d'abord, moi je pense qu'il y a quand même un point qui est excessivement important dans un contrat. Ce n'est pas forcément le point qui est abordé en liminaire, et pourtant moi je le trouve excessivement important, c'est quel est le tribunal compétent. Parce qu'en définitive, lorsqu'on n'est plus d'accord, lorsqu'il y a urgence, lorsqu'on veut faire diligence, il faut quand même pouvoir saisir une juridiction. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire lorsqu'on se trouve avec un contrat d'adhésion, au terme duquel, effectivement, on n'avait pas fait attention, parce que ce contrat, finalement, nous avait donné la migraine, on n'avait pas fait attention à la clause qui était, effectivement, en article 24 ou 25, écrit, somme toute, en petit, et le tribunal compétent, mais finalement, c'est un tribunal de droit américain. Et là, vous allez vous retrouver, si vous voulez défendre vos droits, à être contraint, pour les entreprises qui ont les capacités financières, bien évidemment, à avancer des centaines de milliers d'euros, parce qu'autant vous dire que les avocats américains sont bien mieux lotis que les avocats français. Et il va falloir les payer, et très cher, pour défendre vos droits. Donc, somme toute, bien évidemment, lorsque vous voyez ce genre de clause, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, en tout cas, sachez que c'est un choix de gestion de votre part. Et qu'en définitive, si vous avez un tribunal de droit américain à saisir, vous pouvez dire adieu à vos litiges, sauf si, effectivement, vous êtes une entreprise avec une surface financière importante, ce qui peut être le cas, et je vous le souhaite. Ensuite, quelle est la loi applicable ? Bien évidemment, la loi applicable, la meilleure des lois, pour l'instant, c'est la loi française. Je sais ce que je puis dire. Et puis, de toute façon, c'est la loi, effectivement, du lieu d'établissement du client. En sachant que ça régit effectivement la relation client-prestataire et que ça doit régir également la relation lorsque le prestataire effectivement fait appel à des sous-traitants. J'insiste à ce sujet sur le fait qu'il faut impérativement, dans le cadre du chaîne de contrat, avoir ce qu'on appelle des contrats miroirs. C'est-à-dire que ce que vous demandez à votre prestataire, vous devez être sûr que votre prestataire le demande lui-même à ses sous-traitants. Parce que sinon, quelque part, ça va servir à rien.
Donc, une fois effectivement cette réglementation abordée, vous allez devoir également étudier les informations relatives au traitement. Donc, comme je vous l'ai dit, un report des obligations dans la chaîne contractuelle. Vous avez un certain nombre, effectivement, de procédures à respecter, ne serait-ce qu'au niveau des traitements de données personnelles, avec la mise en place de procédures excessivement simples permettant de respecter, effectivement, les droits d'accès, suppression, etc. Il est impératif qu'il existe un système de remontée de failles et de plaintes, ne serait-ce que pendant un moment, pour que vous soyez informé de ce qui se passe, effectivement, par rapport à vos données. Alors, tout à l'heure, effectivement, on vous a parlé de la localisation des données lors, bien évidemment, je vais vous parler lors de la souscription du contrat. Il est impératif. Là, je vous donne plein de conseils, mais c'est vrai. Il est impératif qu'il y ait une indication claire des pays hébergeant les centres de données du prestataire où les données seront traitées, avec toujours pareil cette même exigence vis-à-vis d'une sous-traitance en chaîne. Alors, il faut également une assurance de protection adéquate à l'étranger. Alors, j'avais mis dans les slides, vous ne pouvez pas les voir, mais le cas typique de la Chine, où effectivement, alors là, je prends peut-être l'extrême, mais le cas où l'autorité centrale peut consulter les données stockées dans les serveurs. Alors, souvent, concernant la localisation des données, le fait qu'on ait accès aux données, il est fait état de la fameuse réglementation, alors je pense que vous en avez entendu parler, de l'USA Patriot Act. Alors, qu'est-ce que c'est cette grosse machine de guerre ? Effectivement, c'est une réglementation qui a été adoptée après les attentats du 11 septembre et qui permet à certaines autorités américaines de mener, enfin, certaines autorités, surtout le FBI, de mener un certain nombre d'investigations. Alors, c'est vrai que cette réglementation, elle a fait couler beaucoup d'encre et je vous avoue, a même interpellé un certain nombre de rédacteurs quant à la nécessité de voir réapparaître des frontières. Alors, je ne crois pas forcément qu'il faut avoir nécessairement peur de cette réglementation. Pourquoi ? Parce que bien avant cette réglementation qui a été amenée après les attentats du 11 septembre, le FBI avait déjà des moyens d'investigation. Alors, qu'est-ce qui a ému effectivement le cloud pour avoir aussi peur de cet USA Patriot Act ? En fait, c'est par rapport effectivement à une de ces dispositions où le FBI s'est vu accorder le droit de demander la communication de tout livre, registre, papier, document ou autre élément, y compris sous format électronique. Je tiens toutefois à rappeler que l'USA Patriot Act a quand même un champ d'application qui est somme toute restreint. Il faut effectivement que ces investigations aient trait au terrorisme. D'accord ? Donc, je ne pense pas que ça concerne effectivement toutes les entreprises. Ou l'espionnage industriel, là, ça peut être effectivement peut-être un petit peu plus sensible. En tout état de cause, si d'aventure les autorités américaines souhaitaient procéder à un certain nombre d'investigations, elles ne pourraient pas le faire ipso facto. Elles devraient en tout état de cause respecter les normes propres, effectivement, et les procédures de coopération internationale. En fait, ce qu'il faut retenir par rapport à cette USA Patriot Act, ce n'est pas tellement la résurgence, si vous voulez, de frontières. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut effectivement s'assurer que vous contractez avec une société qui est basée en Europe, en sachant qu'il ne faut pas que ce soit une simple succursale américaine. Ça, c'est important. Et que surtout, vous indiquiez que vous ne donnez pas l'autorisation que vos données soient transférées aux États-Unis. Donc, il ne faut pas forcément, si vous voulez, faire grand cas de figure de cette réglementation, ce d'autant plus que vous avez en France, et ça peut-être un certain nombre de personnes l'oublient, des investigations qui peuvent être menées également par les autorités judiciaires. Alors, j'ai pris comme exemple quelque chose un peu de frappant qui relève du droit fiscal, mais qui va bien vous montrer effectivement qu'il y a un véritable pouvoir d'investigation en France. C'est une jurisprudence qui a opposé Google à l'administration fiscale.
et qui a en fait donné lieu à une décision rendue par la Cour d'appel de Paris assez récente, le 31 août 2012. Alors, que se passe-t-il ? Vous avez une société de droit irlandais, Google, qui exploite la technologie dont est propriétaire la société de droit américain, Google. La société de droit irlandais conclut des ventes d'espaces publicitaires en ligne avec des clients français, en sachant que les deux sociétés Google sont liées par des contrats de prestation de services. Alors, pendant un moment, il est vrai que l'administration fiscale s'est posé un certain nombre de questions, à savoir si la société de droit irlandais n'exerçait pas en fait en France une activité commerciale sans pour autant effectuer ses déclarations fiscales. Donc à partir de ce moment-là, l'administration fiscale effectivement a saisi le magistrat Idoine et s'est vue autorisée à pratiquer un certain nombre de saisies. Alors c'est le résultat en fait qui est intéressant, ce n'est pas le modus operandi. Comment ça s'est passé ? Ben, sur place, les agents verbalisateurs se connectent au réseau de Google France, puisqu'effectivement, l'autorisation visait Google France et Google Irlande. Donc, ils vont effectivement sur ce réseau. Ils se connectent grâce au mot de passe communiqué par les salariés de la société française. Et ils ont pu saisir, de manière parfaitement légale, les fichiers stockés sur des serveurs situés, cette fois, à l'étranger. Donc, effectivement, je veux dire, les investigations ne sont pas propres aux États-Unis, elles sont parfaitement envisageables en France, et en tout état de cause, respectent un certain nombre, effectivement, de procédures. Alors, je vous avoue que, sur ce point, je ne suis pas forcément d'accord avec la CNIL, qui considère que le prestataire doit systématiquement informer le client de ce qui serait dans l'obligation, effectivement, de faire une copie des données, etc., et de les remettre à un tiers. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, dans notre cas de figure, par exemple, face à une procédure judiciaire, c'est le prestataire, je pense, qui serait fautif de dévoiler, effectivement, à son client les mesures qui sont faites, parce qu'en définitive, si vous voulez, à mon sens, ça contrevient à l'ordre public. C'est un peu la même chose lorsque vous aurez une clause identique d'autorisation dans le contrat, de nécessaire autorisation ou d'information par rapport au client, et si effectivement le client, pendant un moment, fait l'objet d'une procédure pénale. On voit bien pendant un moment qu'il y a une dichotomie entre cette préconisation de la CNIL et la réalité de la procédure. Alors, une fois que vous avez localisé les données lors de la souscription du contrat, vous vous posez la question de savoir est-ce qu'on peut transférer les données personnelles sans mon autorisation ? Non, en principe, vous avez effectivement une interdiction des transferts de données personnelles en dehors de l'Union européenne. Alors, hormis un certain nombre d'exceptions dont je vous ferai grâce, l'essentiel, effectivement, c'est qu'il y a un transfert vers un pays de destination offrant une protection adéquate. Une fois encore, à mon sens, c'est pour être informé des tenants et aboutissants, il convient de bien marquer ce que vous souhaitez dans votre contrat. Alors, mes données sont-elles en sécurité ? Effectivement, il vous a été répondu largement à cette question, puisque vous l'avez compris, les données sont dans les nuages, mais en fait, bien sur Terre. Donc, en définitive, les data centers doivent faire l'objet de mesures de sécurité. Il doit avoir effectivement une protection du site. Il doit avoir également un chiffrage des données. Vous, en tant que client, vous devez avoir la possibilité de procéder à des audits, effectivement, pour vérifier que vos données sont sécurisées. Et enfin, d'une manière générale, via le contrat, effectivement, de niveau de service, vous serez assuré via les pénalités en cas d'infraction. Alors, on va quand même se poser la question de la continuité de service. Parce qu'il ne faut pas croire, mais ça comme chez tout prestataire, que vous allez avoir 100% de disponibilité 24 heures sur 24. Alors, à mon sens, il faut déjà l'accepter pour partie.
Et à mon sens, il faut également anticiper. C'est-à-dire qu'il y a un impératif dans votre contrat à définir un taux de disponibilité global. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans votre contrat, effectivement, votre prestataire peut très bien vous dire, bah, écoutez, moi, je prends en charge effectivement des dommages et intérêts, vos demandes indemnitaires, à partir d'une durée d'indisponibilité supérieure à 3 heures. Point. D'accord ? Donc finalement, en un mois, vous avez une heure par-ci d'indisponibilité, une heure par-là, et finalement, vous vous retrouvez effectivement avec 5 ou 6 heures. Sauf que ces 5 ou 6 heures ne sont pas dans la continuité. Donc en définitive, si vous n'avez pas marqué un taux global de disponibilité par mois, vous ne pourrez pas bénéficier de dédommagement. Si vous marquez un taux de disponibilité par mois, à partir de la première minute du premier incident, votre compteur, effectivement, va tourner. Donc ça, la disponibilité, oui, c'est important. Il faut accepter que parfois, effectivement, il y a une difficulté. Encore faut-il que vous soyez prémunis au niveau des dommages et intérêts. À la conclusion, ça, oui. Alors, j'ai quand même le temps est élastique pour les avocats, je suis désolée. Vous avez quand même une clause qui est excessivement importante, qui est la clause, effectivement, de réversibilité. Alors, la clause de réversibilité, c'est quoi ? C'est pendant un moment, effectivement, on se départit du prestataire de service et c'est une garantie de l'assistance et de la restitution complète des données. Alors, vous avez pris l'exemple, effectivement, de la société de Itou qui a fait l'objet d'une cessation des paiements le 28 février 2013 et dont les clients ont reçu un courrier le 7 février d'un certain monsieur Kikorp leur demandant de payer pour récupérer leurs données, leur demandant de payer dans les 4 jours, effectivement, 4000 livres plus TVA, et pour les 20 plus gros clients, 10 fois plus. Donc ça, effectivement, la clause de réversibilité, c'est un point excessivement important qui convient d'anticiper, et convient de savoir combien cela va vous coûter. Au niveau de la responsabilité, si j'ai encore 2 petites minutes, je vous parlais tout à l'heure de la clause limitative de responsabilité concernant une jurisprudence Forestia Oracle. Comme je vous l'ai dit, effectivement, Forestia avait fait le choix d'un prestataire qui lui avait fait une offre avec une déduction de 49%, ce qui n'est pas moindre. Sauf qu'en définitive, quand Forestia a eu des difficultés, Forestia, effectivement, a demandé la nullité des contrats conclus avec Oracle, a sollicité dédommagement à concurrence de plus de 60 millions d'euros et n'en a obtenu que 203 000. Pourtant, il y avait un problème concernant le défaut sur un élément essentiel du contrat. Donc, ce que je veux dire, et là je rejoins effectivement M. Ben Youssef, vous ne devez pas forcément choisir toujours celui qui offre le meilleur coût, parce que quelque part, pendant un moment, vous allez le payer. Donc, je passerai malheureusement, parce que j'aurai encore plein de choses à dire, mais ça c'est mon grand défaut, sur le reste des exemples que j'avais à vous fournir. En conclusion, effectivement, il faut d'abord faire un audit pour les entreprises. Il faut choisir un prestataire qui répondra à vos attentes. Mais surtout, il faut négocier et renégocier le contrat parce qu'en définitive, vous le méritez bien. Voilà. Merci Christine. Je vous invite à regagner votre place pour répondre aux questions. Alors, y a-t-il des questions dans le public ? Oui, non ? Pas de questions sur ? Ok. Je vais passer derrière toi. Au niveau du tweet. Pas de questions ? Okay. Allez, très bien. On poursuit ? Donc, puisqu'il n'y a pas de questions, on va directement passer au troisième intervenant, donc Jean-Baptiste Soubeignet, donc qui va nous parler des outils d'une entreprise mobile à l'heure du cloud. Jean-Baptiste Soubeignet. Et n'oubliez pas,
Hashtag LRM12 pour les tweets live. Impeccable. Ça marche. J'avais pourtant prévu le coup. La présentation était sur Dropbox, prête à être tweetée, mise sur clé USB en dur pour satisfaire aussi Adèle. Bonjour tout le monde. Merci à l'équipe d'organisation de nous donner la parole et de nous avoir invités pour témoigner sur les usages du cloud. Alors, des premières présentations, on va y mettre un niveau de cloud un peu plus limité, un peu plus les pieds sur terre à voir. Donc avec différents exemples que je vais vous présenter, notamment dans le tourisme, alors à trois niveaux de ma présentation. Tout d'abord au sein de ma structure, j'en dirai quelques mots pour contextualiser un peu la structure et combien on est et qu'est-ce qu'on y fait, etc. Au niveau des institutionnels du tourisme aussi, qui ont des missions d'information, de promotion, d'accompagnement, de collaboration aussi, et d'accueil des visiteurs et d'animation du réseau des socioprofessionnels. Et aussi l'application donc dans le tourisme au niveau de la donnée, de la communication sur les accueils physiques, numériques, et aussi sur la diffusion d'informations sur Internet avec toutes les données. Comme le précisait tout à l'heure Adèle, difficulté quand même de différencier cloud et données, big data. Et d'ailleurs, dans le tourisme, le contenu, la data et la mine d'or. Donc, je travaille à la MOPA. MOPA pour Mission des Offices de Tourisme et Pays Touristiques d'Aquitaine. Donc, on va s'arrêter à MOPA. Nous sommes une équipe de 6. En gros, on est une association qui représente et qui est la tête de réseau de tous les offices de tourisme d'Aquitaine, avec des missions de formation, des missions d'accompagnement de projets, des missions d'intervention, de sensibilisation, d'accompagnement. Donc sur le réseau aquitain, c'est plus de 200 structures. C'est 730 salariés, de nombreux partenaires à des échelles différentes. Ceux qui travaillent un peu en partenariat avec les institutionnels voient très bien de quoi je parle si je dis mille feuilles administratifs. Dans le tourisme, c'est pareil. Et donc, on travaille avec ces différentes structures sur du mode fortement collaboratif. Et c'est notamment via ces exemples-là que je vous propose ma présentation. Donc notre quotidien, c'est, comme je disais, mettre en réseau, sensibiliser, animer, accompagner, veiller. Et c'est surtout au sein de notre structure où on est 6, on est 4 à être sur le terrain très très souvent, de 30 à 70% de notre temps, qui est en lien direct justement aux différents outils dits cloud que nous utilisons. Donc ce temps passé sur le terrain, justement, ça nous a demandé à un moment de se poser des questions de comment on organise notre action et nos missions au travers de l'Aquitaine, et on est souvent amené aussi à intervenir au-delà de la région. Alors on n'a pas été jusqu'à la rédaction d'un cahier des charges pour bien mettre en place nos données et où la mettre et comment les mettre en sécurité, parce qu'on considère aussi qu'on n'a pas forcément... on n'est pas forcément une entreprise avec des données qui ont un gros besoin de sécurité, mais je comprends tout à fait après l'argument que toute donnée est personnelle et doit être mise en sécurité où on les stocke. Donc je vous propose outils et usages dans une entreprise mobile, donc c'est nous la MOPA à l'heure du cloud. Alors d'abord, avant tout, on est des fins consommateurs de l'AAA. Alors c'est pas un diminutif de l'Association Amicale des Amateurs de l'Andouillette Authentique, la fameuse, mais on parle bien de l'ATAWAT, Anywhere, Anytime, Anywhere, Any Device. On a besoin en gros d'avoir accès à la donnée tout le temps sur n'importe quel support. Et notamment pour ceux qui sont un peu en veille vraiment sur le cloud, on voit vraiment l'opportunité de développement économique et stratégique de développer toute la stratosphère nuagique du cloud sur les différents supports et notamment sur la mobilité. Donc aussi, questionnement, quand on m'a demandé de faire une intervention, c'était justement quand on commence à potasser un peu sur le cloud, ce que je vais vous présenter, est-ce que c'est réellement du cloud? Donc j'ouvre la question et je vous propose de me donner la réponse à la fin de mon intervention.
premier gros principe pour nous, c'est de rester connecté. Absolument. On est tout le temps en déplacement, on a tous un ordinateur portable, on a tous une tablette, on a tous un smartphone. On est sur des systèmes d'exploitation différents, donc il faut des outils qui soient adaptés aux différents supports et aux différentes technologies qui peuvent les accueillir. On est aussi sur le BYOD, certains d'entre vous doivent connaître, Bring Your Own Device. C'est en gros, je viens bosser avec mes propres outils, notamment en termes des PC portables, c'est le PC de la structure, mais c'est aussi mon PC que j'utilise à titre personnel. Mon téléphone, c'est mon téléphone personnel qui sert aussi à mes communications professionnelles. Il n'y a que l'iPad que j'essaie de négocier pour si je m'en vais, mais je n'ai pas encore réussi. Mais sinon, c'est à la structure, mais on l'utilise aussi à cas professionnel et personnel. Deuxième grand principe donc sur se rester connecté, c'est avoir accès à cette donnée. Donc on l'a vu, c'était donné par des petits pictos par Adèle au début. Il y a un nombre assez important de solutions existantes. Donc nous, on a choisi Dropbox, que tout le monde ici doit connaître, voire utilise, notamment avec le gros avantage que dessus, on peut tout mettre. Sans trop de limites, à part une limite, la capacité de stockage, donc on est sur un format payant. La particularité, c'est qu'on a un compte pour toute l'équipe, et on grappille par rapport aux formules, que propose Dropbox, notamment par du parrainage, par des liens, par un peu d'interaction, on réussit à grappiller quelques gigaoctets de temps en temps. Mais pour l'instant, on est 6 à travailler dessus, il y a tous les dossiers de la structure et on n'est toujours pas arrivé une seule fois au 100% de capacité de stockage, d'où l'utilisation et la satisfaction sur cet outil. Autre satisfaction aussi, c'est que justement, c'est mis à jour en permanence. Là, justement, avant de partir de ma structure, j'ai mis ma présentation sur Dropbox. J'arrive ici, je peux la consulter vite fait avant de vous faire la présentation. On n'aurait pas eu de connexion, je vous aurais tweeté la présentation, et ceux qui étaient équipés en téléphone mobile, autre point positif, c'est que c'est adapté justement aux outils mobiles, vous aurez pu le consulter avec moi en direct lors de ma présentation. L'autre avantage aussi, c'est que ça permet, comme des outils sur WeTransfer ou des choses comme ça, qui permettent d'envoyer des gros fichiers, et de les partager avec ses collaborateurs, mais aussi ceux qui ne sont pas forcément sur Dropbox. Autre outil utilisé, archi connu, et sûrement utilisé par de grands nombres d'entre vous, c'est Google Drive, avec toute sa suite Google, où là aussi, on l'utilise à titre de toute la structure. Je vous donnerai des exemples d'utilisation, et certains d'entre vous vont sûrement s'y retrouver assez facilement. Et on l'utilise aussi à titre pro, mais individuel, pour stocker un certain nombre de données, avec la limite, là aussi, d'être sur des outils gratuits, mais avec une limite d'espace de stockage, Google Drive étant limité à 5 gigas, si je ne me trompe pas, et avec des formules payantes pour augmenter la capacité. Autre outil qu'on utilise beaucoup aussi, là aussi pour le professionnel, mais dans le cadre à titre individuel et non pas sur un compte business qui existe aussi pour Evernote, c'est donc Evernote qui permet d'envoyer beaucoup d'informations, prendre des notes en permanence, de les alimenter par des notes vocales, aussi des images, etc. Je ne rentre pas forcément dans le détail de ça. Qui connaît Evernote ici ? Oui, quand même. Donc c'est là aussi la limite de cet outil-là, ça va être encore la capacité de stockage. On revient au débat qu'on a eu tout à l'heure, hein, la donnée, où c'est qu'on la stocke et à quelle quantité. Là, on est sur une version gratuite où on est sur du 1 giga d'octets. Et parallèlement à ça, cette semaine, là aussi, pour ceux qui sont en veille dessus, il y a Google qui a fait une petite sortie très rapide, qui a mis en ligne un service, pas plus de quelques heures, qui va être directement, ce qui est annoncé comme directement le futur concurrent de Evernote. En vous disant ça, je me rends compte que j'ai mangé le nom. J'essaierai de vous le retrouver avant la fin de mon intervention, et je vous dirai ça. Mais voilà, je vous invite à télécharger ou à utiliser Evernote, c'est très très utile.
en termes de prise de notes très rapide et qui se met à jour sur tous les supports en même temps. Si je rédige sur mon ordinateur, en même temps, c'est en train de se mettre à jour sur mon PC, sur ma tablette et en même temps sur mon téléphone. Si je le rédige et que je suis en hors connexion, je rentre au bureau, je me connecte, hop, ça se met directement à jour et j'ai toutes mes notes de ma réunion, ou etc., sur mes différents supports. Troisième grand principe dont nous, on a besoin dans notre structure, c'est de planifier. Toujours sur le côté, on est toujours en déplacement, on est nombreux, ça marche aussi pour de nombreuses structures. Et pour ça, on utilise encore du côté de chez Google, le fameux Google Agenda. Qui c'est qui utilise Google Agenda ici ? Ouais, la moitié à peu près. Donc ça nous sert évidemment pour planifier tout ce qui est les déplacements des équipes, planifier les réunions, mais c'est comme aussi ce qu'il peut y avoir sur Outlook et compagnie. Donc ça me rassure, Adèle, en début d'intervention, a dit Gmail et tout ça fait aussi partie du cloud, donc on commence à répondre à ma question un peu cloud ou not to cloud. Et ça permet aussi, le Google Agenda, de planifier nos publications, car sur les réseaux sociaux ou encore dans nos newsletters et tout ça, on est tous producteurs de contenu dans ma structure, et on se fait donc un planning des publications. On lit ça à un web service qui s'appelle Doodle, qui permet de planifier à plusieurs aussi des événements ou des rencontres. Et en un mail, on envoie un seul mail, et sur ce mail, on donne accès à tout le monde pour dire « Ah ben, je suis disponible lundi matin, moi c'est plutôt le mercredi après-midi ». On prévoit 2-3 dates, et comme ça, à la fin de, une fois que tout le monde a validé ses disponibilités, on définit en une fois, sans donner 50 coups de téléphone et sans déplacer 3 fois la réunion, justement le lieu et la date de la réunion. On l'utilise aussi en gestion ressources humaines. Pour planifier, on utilise le service web qui s'appelle Woofoo, qui crée des formulaires en ligne qui sont après intégrables sur des sites internet, tout simplement avec juste un copier-coller de code très simplement fait, sans devoir être un programmeur ou un développeur. Associé à un site comme Jimdo, on intègre ce code-là et on se retrouve très rapidement avec un site de gestion interne, de prévoir ses déplacements, ses congés, ses récup, etc. Et ces demandes-là, par un formulaire en ligne, sont envoyées directement dans la boîte mail de notre directeur, qui valide ou pas les déplacements et qui peut suivre où on est, et aussi gérer les problématiques de récupération, etc. Ce logiciel aussi nous permet de gérer, comme je vous disais en introduction, on est beaucoup sur de la formation. En tout, on fait 220 journées de formation sur une année, donc autant de jours ouvrés que de jours de formation. Et donc ce logiciel-là nous permet justement de gérer toutes ces inscriptions tout au long de l'année en l'intégrant directement sur notre site internet. Quatrième action autour de ce cloud, c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est justement le côté collaboratif que permet tous ces outils en ligne. Notamment, on retrouve encore le fameux Google Doc, mais il y en a d'autres. Notamment, souvent en réunion, on se retrouve à tous gratter sur sa feuille de papier les idées qui sont données pour faire le compte-rendu. Là, nous, sur nos réunions d'équipe et même les réunions maintenant qu'on fait à l'extérieur, si on est plusieurs à y aller, on se partage un seul document via le Google Doc et toutes les notes sont prises sur un seul document unique et on n'a pas besoin de repasser encore une heure à croiser nos infos, à discuter, à faire sortir le relevé de décision. Là, directement, pendant la réunion, on traite et on se pose des questions directement via ça. Je ne reviens pas sur le côté newsletter parce qu'évidemment ça nous permet d'éditer, de rédiger tous les articles qu'on veut mettre en place avant de les valider et de les publier. Ça nous permet aussi, comme vous l'avez vu, on travaille auprès de 200 entreprises, mais ça fait aussi beaucoup de bases de données en termes de tout simplement de contacts ou de changements de personnes qui travaillent dans les structures. Donc cette base de données via Google Doc nous permet de mettre à jour une seule information dont tout le monde a accès, qu'un certain nombre de partenaires réduits ont accès parce qu'on leur partage aussi, et une seule base donc dans 5-6 structures qui peuvent avoir accès à ces informations. Ça nous permet aussi de faire des enquêtes de satisfaction avec toute l'offre autour des Google formulaires.
Alors, je ne sais pas un peu vos typologies, mais vous êtes en train d'accompagner quelqu'un sur vos projets. Vous voulez avoir une évaluation de cet accompagnement. Mais voilà, ça permet de vous faire des formulaires. Comme Adèle tout à l'heure mettait un QR code pour poser des questions directement en ligne, c'est exactement le même système. Dans les offices de tourisme, ça leur permet aussi de gérer toute la question des inscriptions, réservations, événements. C'est tout bête. Mais ça évite notamment d'avoir 50 coups de fil, de mettre à jour plusieurs fois des fiches, etc. Là, tout est à jour directement sur un seul document. Il suffit que là aussi, l'événement soit fait en collaboration avec différentes structures. Ça permet que tout le monde travaille sur un document unique et qu'on ne repasse pas encore du temps à essayer de traiter ces données, ces listings d'inscription. La grosse plus-value dans le tourisme également, c'est la question des disponibilités des hébergements, qui est une grosse thématique dans le tourisme, de, en gros, quel hébergement est libre à tel moment. Mais ça permet, en faisant un partenariat justement avec les hébergeurs et les offices de tourisme, les hébergeurs d'eux-mêmes remplissent une fiche via un document qui est partagé et donnent la disponibilité. Mais à ce moment-là, c'est pris, à ce moment-là, c'est pas pris, et tout ça remonte automatiquement sur le site internet de l'office de tourisme. Et du coup, un visiteur qui prépare ses vacances sait directement si telle structure, si tel hébergeur a des disponibilités ou pas à la période où il veut aller réserver son hébergement. Autre outil collaboratif, c'est les fameuses cartes avec l'exemple de MindMeister, qui permet de travailler sur des plans d'action pour ceux qui travaillent sur l'arborescence de sites internet, qui travaillent sur les sites internet. C'est un outil très intéressant justement pour travailler sur les arborescences. Nous, on l'utilise aussi donc pour les plans d'action, pour les suivis de projets, ou encore pour l'animation de réunions. Là aussi, le gros avantage, c'est que cet outil-là, comme tout à l'heure, on parlait de Google Agenda, qui peut être lié à un autre web service qui était Doodle. Là, le web service qui est MindMeister, où on peut encore créer en collaboration, est directement lié aussi à toute la technologie et les services de Google Drive, comme une application liée au Google Formulaire, au Google Doc, etc. Ce qui permet encore là de travailler, de partager et de pouvoir diffuser l'information en temps réel. Un autre outil collaboratif, c'est PearlTwiz. Ceux qui font un peu de veille sur ça connaissent peut-être cet outil-là, où en gros, on crée une thématique. On crée un groupe de personnes qui sont intéressées par cette même thématique et chacun ajoute des informations qu'ils rédigent eux-mêmes ou qu'ils ont trouvées sur Internet. Et comme ça, ça fait une arborescence d'articles, de photos, de vidéos, de notes stratégiques, etc. Autour de la thématique. Tout à l'heure, Christine citait un certain nombre de sites internet qui donnaient des informations justement sur le cloud, avec la Direct, avec la CNIL, avec les réflexions sur l'ISO. On peut tout à fait imaginer une perle qui s'intitule le cloud et le juridique. Et là, avec 2-3 collaborateurs, on rajoute des informations, un centre de ressources directement en ligne, sans devoir avoir la donnée comme ça, adaptée aussi sur les différents supports mobiles, tablettes, etc. Le collaboratif aussi, il passe par le côté, le fameux Skype, les différentes réunions que nous, dans le déplacement, on ne peut pas se déplacer partout. Donc, avec le nouveau arrivé aussi, Google+, via les Hangouts, on fait un certain nombre de visioconférences collaboratives où on peut partager. Là, on aurait pu imaginer... je fais mon intervention depuis nos bureaux à Bordeaux avec ma petite tête dans une webcam là, en haut à droite, et je vous ai partagé exactement le même contenu que je fais défiler de la même manière sans m'être déplacé. Et là aussi, on est sur un certain nombre de services dans les nuages. Au niveau de la communication, cinquième grande action sur notre approche du cloud, c'est pouvoir stocker en ligne toutes les présentations qu'on peut faire lors de nos différentes formations ou journées techniques ou accompagnements. Et pour ça, on utilise le web service qui s'appelle SlideShare, qui permet là aussi de stocker un nombre illimité de supports, qui permet de les partager, de donner son avis, de tweeter, de facebooker, etc., tout ce qu'on veut.
Et là, je rejoins une analyse de nos intervenants précédents. C'est que ces web services, on n'est pas à l'abri qu'un jour ils disent « Bon, mais voilà, vous en avez bien profité pendant 5 ans, et maintenant, c'est payant. » Et c'est en ça où nous, on a justement un besoin de mettre à plat les différents web services qu'on utilise et voir sur ces risques de commercialisation des services qu'on utilise actuellement gratuits, de voir comment on pourrait les réorganiser sur des solutions intégrales et sur lesquelles on a la main en entier en termes de création, de stockage et de diffusion. Sur la communication, je passe assez rapidement, il y a aussi tous les web, les réseaux sociaux. Donc moi aussi, je suis un peu pragmatique, on passe à la caisse un moment. Donc pour nous, passer à la caisse, ben en gros, la solution Dropbox, elle nous coûte 99€ par an pour n'avoir jamais utilisé encore tout le stockage disponible. Pour Woufou, on est à $299, pardon, je parle en dollars, par an, sur une solution qui nous permet de gérer notre fonds de commerce, à savoir les formations. Et pour tout le reste, ben c'est zéro. On utilise tout ça au quotidien, on le fait partager à un grand nombre de partenaires dans la structure, et actuellement, ça nous coûte 0€ avec les risques qui restent à identifier. Donc ce cloud un peu que j'appelle de la bidouille, d'où mon illustration, Bon, je vous passe le commentaire que j'avais sur ça. Pour passer directement aux enjeux et applications dans le tourisme, du point de vue justement de nos acteurs qu'on accompagne, qui ont donc des missions d'accueil, d'information, de promotion ou d'accompagnement mis en réseau des prestataires. Assez rapidement, dans le tourisme, pour mettre un peu un cadrage, on parle du cycle du voyageur, sur qu'est-ce qui se passe avant son séjour, pendant son séjour et après son séjour. Et on est sur des questions de avant, il va rêver, rechercher, comparer, planifier. On retrouve quelques termes qu'on utilise nous au quotidien dans nos structures, mais aussi réserver, acheter, puis dans l'internet de séjour, on retrouve encore, il va à nouveau comparer en ayant accès directement à de la donnée via son smartphone ou via les différents sites internet. Il va pouvoir réserver directement, acheter en ligne. Ça rejoint les questions dont on parlait tout à l'heure sur le e-commerce. Dans le tourisme aussi, on a vécu les évolutions. Pour beaucoup d'offices de tourisme, c'est des révolutions numériques, à savoir, on a parlé du web, puis est arrivé le web 2.0, le partage total, puis la mobilité, et maintenant, on est sur la connexion permanente, le besoin constant de vouloir être connecté dans les transports, chez soi, au bureau, pendant les conférences. J'ai vu un certain nombre de tweets passer, donc je sais que vous étiez connectés. L'enjeu pour le tourisme, à travers tout ça et ce cycle du voyageur, ça va être justement de se repositionner dans cette diffusion de l'information et de la contrôler, et d'assurer derrière une continuité de service, d'expérience aux clients. Pour ça, il y a eu différents concepts qui sont sortis ces deux dernières années, notamment le Solomo en 2011. Je pense que un certain nombre d'entre vous ont dû en entendre parler. Solomo pour le social, le lo pour le local, tout ce qui est géolocalisation, et le mot pour la mobilité, avec les différents outils qui peut y avoir en mobilité. En 2012, on a parlé du taux d'aclos. Alors là, c'est Frédéric Cavaza, spécialiste des thématiques e-tourisme, qui avait sorti ce contexte. Derrière ça, on a le touch, le tactile, on a la data, on retrouve ce qui a été donné tout à l'heure, et on a le clos, évidemment, pour le cloud. Et tout ça est toujours aussi dans l'enjeu et allié au Solomo. En 2013, il n'y a rien qui est sorti, mais il y a énormément de choses qui tournent autour des objets connectés, de justement permettre à avoir de la donnée sur du mobilier urbain, sur des lunettes connectées, sur des chaussures connectées, sur des montres connectées, et avoir un certain nombre comme ça d'informations qui arrivent sur les différents outils. Donc comme je vous le disais aussi en intro, évidemment dans le tourisme derrière ce cloud, c'est aussi, il y a de la donnée, et dans le tourisme le contenu c'est la mine d'or. En Aquitaine, on a le système d'information régional touristique d'Aquitaine, appelé SIRTAKI, rien à voir à la Grèce. Derrière ça, on récupère l'information des hébergeurs, des restaurateurs, des événements, etc. Les offices du tourisme traitent cette information, l'éditorialisent,
la relance dans une grande base de données donc, qui s'appelle Sirtaki. À côté de ça, il y a aussi d'autres acteurs institutionnels qui mettent de la donnée. Et cette donnée-là est retraitée et rediffusée sur les différents supports, sites mobiles, éditions, aussi print, qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, sites internet ou encore des sites de partenaires comme Idées de sortie, on retrouve l'agenda, ou Sud-Ouest, ou etc. Derrière, en gros, si je fais un événement, la fête de Pau, ouais, je n'avais pas d'exemple en tête, il va y avoir une personne qui va écrire toute l'information sur les prix, les horaires, l'accessibilité, le site internet de l'événement, etc. Et l'information va pouvoir potentiellement se retrouver sur X centaines de sites avec une seule saisie. Et donc derrière, on retrouve tout l'ensemble de l'offre touristique Aquitaine, 750 personnes qui travaillent à mettre à jour cette donnée pour qu'elle soit redispatchée sur les différents supports pour une information claire, unique et de qualité pour les clientèles. Cette base de données, elle est liée aussi aux informations et aux différentes photos, publications, etc. qui sont mises sur les différents réseaux sociaux. Et c'est ce combiné d'informations qui va permettre après d'être rediffusé par différents nouveaux outils auprès des touristes. On va parler aussi, qui va pouvoir être diffusé avant et aussi pendant le séjour. Pendant le séjour, on va parler du concept de l'Internet de séjour, justement. On va retrouver ces données sur du site web, sur de l'accueil numérique dans les offices de tourisme, mais aussi chez les prestataires, qu'on va retrouver sur du mobilier urbain. Pourquoi pas imaginer un arrêt de bus où il y a de la Wi-Fi, où il y a un écran qui donne de l'information touristique, qui s'autofinance par l'insertion de pub d'un prestataire local. On va aussi retrouver tout ça sur de la communication papier ou de la solution mobile, et tout ça accessible évidemment grâce à une connexion, une couverture via les réseaux mobiles, mais aussi via le développement de la Wi-Fi, et notamment de la Wi-Fi dite territoriale, où on ne va pas s'arrêter juste, je me connecte avec ici au Palais Beaumont, avec le réseau Wi-Fi Beaumont, et il faut que je trouve le code, mais je vais arriver à l'office de tourisme, on va me donner un login, on va me donner un mot de passe, et je vais pouvoir me connecter à tous les hotspots Wi-Fi de tout le territoire pendant tout mon séjour. Et c'est dans ça où l'Internet de séjour et l'accès à cette donnée, dans le cloud ou pas dans le cloud, est encore plus facilité pour les clientèles, notamment étrangères. Donc, 2-3 illustrations et j'en ai terminé. Notamment sur les écrans tactiles et les bornes, où on va retrouver cette information touristique à l'intérieur ou à l'extérieur, justement, des offices de tourisme, qui vont aussi, notamment pour la borne de 3 en bas à gauche, qui va aussi être un point d'accès Wi-Fi, où on va retrouver dessus le site internet ou l'application adaptée à la tablette. Je ne vous montrerai pas donc l'exemple de Puy-en-Velay. On va retrouver aussi les écrans à affichage dynamique ou chaînes aussi d'information, où on va retrouver sur un écran dans l'office ou chez un hébergeur une information qui sert au touriste pendant son séjour, à savoir tout simplement la météo, pourquoi pas les horaires de marée. Pourquoi pas, si je suis dans une station de ski, en bas de chaque départ de téléski, le taux d'ouverture, où c'est que je suis exactement sur la station avec une carte qui passe, l'événement de la soirée à la station. On va retrouver, je vous parlais tout à l'heure des disponibilités, la gestion des disponibilités en ligne pour les hébergeurs. Mais j'arrive, je suis un touriste d'affaires, je suis un businessman. J'arrive en centre-ville d'un village et je n'ai pas d'informations pour trouver un logement pour dormir pour la nuit. Je vais me retrouver à côté de l'office de tourisme en centre-ville avec un écran qui a vu sur l'extérieur et où sur cet écran on va justement faire défiler la gestion, les informations sur les hôtels qui proposent des soirées étapes et qui sont disponibles le soir même. Pourtant, j'ai l'information alors que l'office de tourisme est fermé. Et cette information est donnée automatiquement et gérée automatiquement justement par le système dans le nuage, gérée au préalable. Voilà donc l'illustration de ce que je viens de vous dire. Et avec la possibilité d'aller jusqu'à une borne directement dehors où on peut avoir comme une cash machine et on règle directement à la borne son logement.
Intérêt aussi, donc, de la, je disais, dans l'Internet de séjour, d'avoir la Wi-Fi partout. Illustration à La Réunion, où on a la Wi-Fi sur la plage. C'est tout bête, ça peut faire sourire, mais où c'est qu'on a le temps de tripoter son téléphone et d'envoyer une belle photo de Tèche sur la plage, les doigts en éventail en train de siroter un cocktail? Ben c'est exactement là. Et qu'est-ce que je vais en faire? Ben je vais le publier sur les réseaux sociaux. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ben on va repartir sur mon cycle de voyageurs. Ça va faire rêver mes amis. Et mes amis, ils vont peut-être du coup aller voir qu'est-ce qui se passe à La Réunion pour partir en vacances et à quel prix. Donc ils vont comparer et voir s'il y a d'autres photos, etc. L'intérêt derrière tout ça, c'est le côté, cette diffusion de l'information, comment on la transfère. Comment on transfère ce contenu aux visiteurs dans l'office ou à l'extérieur de l'office. On retrouve à ce moment-là le QR code qui permet justement d'avoir de la donnée transférée sur les outils mobiles sans qu'il soit palpable. On va avoir une réflexion aussi sur un certain nombre de tables tactiles où on peut programmer par exemple sa randonnée dans l'office de tourisme, mais une fois que je l'ai programmé, oui, c'était super ludique, mais comment je le récupère, ça? Comment je le récupère sur mon téléphone et comment je peux partir en randonnée avec l'information? Et ou sinon, on peut carrément le mettre avec la technologie NFC, que tout le monde connaît, mais que peu utilise, notamment avec les cartes de transport. C'est du transfert de données sans contact. Là, c'est l'exemple du CityPass de Marseille, où dedans, je vais à l'office, je suis en couple, je suis là pour un week-end romantique, donc déjà, je suis une clientèle segmentée. Je veux manger à tel endroit, je veux profiter d'une sortie en mer, je veux sûrement faire du shopping pour amener du souvenir. Et tout ça, via ce que j'ai donné comme information, toutes ces informations sont données dans la carte, et cette carte me sert un peu de carte de crédit, d'accès. J'ai accès aussi à tous les transports en commun de la ville pendant les 2 jours où je suis là, et j'ai des accès à des promotions 10-20% selon les partenaires et selon le type de clientèle que je suis. Voilà une autre façon de compiler la donnée dans un support qui est ça pour le tourisme. Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'en ai une petite dernière pour la route. C'est au cas où qu'on me parle de la sécurité et des droits et usages sur les photos. Elles sont toutes là en libre droit d'accès sur notamment Flickr. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à quelques minutes de questions éventuellement. Est-ce qu'il y a des questions dans le public sur le sujet? Non, personne pour le moment. Aurélie, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose sur le tweet? Oui, j'ai une question de Jean-François. La MOPA serait-elle moins efficace dans ses missions sans les services du cloud? Oui. Honnêtement, oui, on serait moins efficace car moins réactif. On passerait peut-être plus de temps à s'échanger un certain nombre de données, se mettre à jour. Là, directement, parce que notamment, on a besoin de s'accéder tout le temps à la donnée sur les divers supports. Les différentes solutions qu'on a là nous permettent d'être plus efficaces en temps, en réactivité. Je vous parlais tout à l'heure du cas où on est en réunion, notamment je vous en parlais pour les comptes rendus ou les relevés de décision. Je me mets dans un autre cas, je vais à une réunion, j'ai oublié mes documents ou le cahier des charges sur lequel je vais travailler avec l'équipe qui nous accueille pour un suivi de projet sur un site web ou toute autre chose. J'ouvre mon Google Drive ou ma Dropbox selon où j'ai mis la donnée et je me retrouve avec toutes les informations dont j'avais l'utilité. Et ma réunion peut très bien se passer comme ça. C'est un exemple tout bête, mais derrière, je n'ai pas imprimé tout un dossier, je ne vais pas à la réunion en étant stressé car je n'ai pas les informations. J'arrive et je suis réactif et efficace. Si ça répond à la question. Alors, je revenais aussi sur quelque chose, parce que j'ai eu la réponse sur Twitter. Le concurrent d'Evernote, c'est Google Keep. Est-ce qu'il n'y a toujours pas de questions dans la salle, éventuellement? Bon, ben, très bien, je pense qu'on va pouvoir... Ok, donc merci Jean-Baptiste. Donc, je voulais simplement vous
préciser ce soir que toute l'organisation de cette conférence s'est justement appuyée sur le cloud et on espère qu'elle vous aura donné toute satisfaction. Donc ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous Valérie de Mangel. Donc je vais l'inviter à prendre la parole ce soir. Bonsoir à tous. Alors je vais vous remercier très rapidement en lieu et place de Monsieur Vaujani parce que malheureusement le cloud ne nous permet pas encore de l'avoir à distance dans le train en direct à Bordeaux. C'est dommage, il faudra que nous progressions pour l'année prochaine. Ce que j'ai retenu de vos remarquables interventions, et je remercie vraiment de tout cœur nos intervenants, ce sont des mots que je vais prendre au hasard, big data, volume, variété, rapidité, variabilité, valeur, innovation, avantages économiques, performance. Alors je ferai juste un mot de parallèle avec le Greta. Ce qui nous anime au quotidien à nous, hein, toutes nos équipes, c'est évidemment la recherche de l'excellence pour la mettre à votre disposition et pour la mettre surtout à la disposition du développement des compétences des hommes et des femmes de ce territoire. J'aurais dû mettre les femmes en premier, pardon. Et évidemment, je crois que c'est au quotidien que nos collaborateurs œuvrent dans ce sens. On a une illustration aujourd'hui. Je tiens à remercier Jean-François et Christian pour tout le dévouement qu'ils apportent justement à encadrer nos stagiaires. Et aussi l'ensemble des collaborateurs du Greta et pour lesquels la première préoccupation reste le service à rendre aux clients. Alors, je ne vais pas... On a parlé d'objets connectés, de rapports exploitables par l'être humain. Je vais vous proposer très rapidement d'aller sur des rapports humains au buffet après l'intervention de notre marraine, bien sûr. Merci à tous. Donc notre marraine, Virginie Poueto. Bonsoir à tous. Donc, je suis très fière d'être la marraine de cette 18e promo, 18e, hein, majorité. Et voilà, je suis très touchée parce que moi-même, j'étais ancienne élève au Greta, donc il y a maintenant 10 ans pratiquement, ouais, 10 ans. Et depuis, ben, ma vie a quand même été beaucoup chamboulée. Hein. J'ai pas arrêté de travailler. Après, je travaillais encore beaucoup. Et donc c'est grâce à cette formation, donc je remercie beaucoup les intervenants de l'époque. Et voilà, je suis fière des stagiaires quand je vois les jolis visuels qu'ils ont fait. voilà, en tant que professeur de Photoshop dans cette formation, ça me fait plaisir. Donc voilà, actuellement donc je travaille à la société Symtik, agence de communication, et donc je suis co-gérante avec Frédéric Malater. Et on continue, puisqu'on va encore embaucher une personne en avril. Donc voilà, il y a du travail, c'est des métiers qui marchent. voilà, donc je vous souhaite de réussir hein, à tous. voilà. Merci. Merci. Donc merci Virginie. Donc, nous arrivons à la fin de notre soirée, malheureusement. Tout en regardant, j'espère qu'on va pouvoir le lancer, tout en regardant un échantillon de nos travaux, en fait. Je ne sais pas si c'est... Ouais. Voilà. Donc, là, vous voyez un échantillon de nos travaux. Je voudrais vous donner rendez-vous, en fait, pour les portes ouvertes de notre DU Technique Multimédia. Donc, ces portes ouvertes auront lieu le 3 avril prochain en salle 209 de 10h à 18h au lycée Saint-Cric. Et je voudrais aussi vous inviter à notre soirée parrainage où vous verrez d'autres productions de notre part qui aura lieu le 22 mai prochain à 18h30 en salle Radix au lycée Saint-Cric toujours. Voilà. Je pense que maintenant il est temps de remercier tous nos conférenciers qui ont fait un excellent travail. Vous avez su vraiment nous transmettre vos expériences et vos connaissances. C'était très intéressant, merci beaucoup. Bien évidemment, merci à toute l'organisation, aux organisateurs et à l'ensemble de l'équipe pédagogique, ainsi qu'à tous nos partenaires, et bien sûr à tous les étudiants de la 18e promotion. Nous vous invitons, vous avez reçu dans vos programmes un petit...
petit feuillet qui vous donne un flash code. N'hésitez pas à retourner dessus, car ça vous portera sur le site et il y a une enquête à remplir, car ça nous intéresse de savoir si cette conférence vous a plu et comment nous pourrons nous améliorer pour les prochaines promotions. Donc, afin de ne pas redescendre trop vite de notre nuage ensemble, on vous propose de venir continuer un petit peu les discussions autour d'un cocktail qui aura lieu dans le hall d'accueil juste à côté. Voilà, donc en vous souhaitant une excellente soirée et surtout en espérant avoir le plaisir de discuter avec vous de suite après au cocktail. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée.